François Perraudin a entamé son périple lundi. Nous l'avons rejoint ici à Ernen. François Perraudin, bonjour. Bonjour. Un mot pour résumer cette première semaine? Je dirais organiser l'improvisation ou improviser l'organisation. Ça veut dire que certains rendez-vous sont tombés à l'eau? Oui, à l'eau et à la neige en début de semaine. Et puis ensuite, la chasse occupe beaucoup de monde. On ne trouve pas tout le monde au travail. Un lieu, un endroit qui vous a marqué tout au long de cette première semaine? Oui, une chapelle en plein air, démolie par un tremblement de terre dans les années 1600 et qu'un passionné a reconstruite, mais qu'en partie. Et c'est la chapelle de Chastelbiel, au-dessus de Blitzingen, qui m'a tapé au cœur. Alors l'objectif, la démarche de ce périple, c'est d'aller à la rencontre des gens. Deux rencontres peut-être qui vous ont marqué? La vallée elle-même, ces villages, premièrement, m'ont beaucoup marqué. Ensuite, j'ai remarqué que dans ces villages, il y avait du très beau travail de rénovation et d'entretien dans le respect du patrimoine. Et j'ai cherché à rencontrer la personne ou l'entreprise qui faisait ce travail. François Perraudin est donc allé à la rencontre d'Ulrich Weger, menuisier charpentier à Münster. Regardez son interview. La mission, oui, c'est la conservation des bâtiments, la conservation des centres de village. Avec ses paysages et son environnement, le but pour moi, c'est la conservation de la vallée de Conches dans son authenticité. Quand on regarde ces vieilles bâtisses, que ce soit les vieilles habitations ou leurs dépendances agricoles, elles ont entre 100 et 500 ans. On remarque qu'il y a une âme derrière tout cela. Les gens, les animaux qui ont vécu là, ça insuffle une âme au bâtiment. Le passé est présent à l'intérieur. C'est ce qui fait l'unicité de ces bâtiments, et on le sent quand on y entre. C'est un aspect important quand on doit travailler avec une bâtisse de ce type, que ce soit pour la rénover, la préserver ou la transformer. La commune de Münster-Geschinen a agi de manière visionnaire à mes yeux. Elle a dressé l'inventaire de toutes ses dépendances agricoles avant de les classer en catégories et de rédiger un règlement de construction. C'est sur cette base qu'on rénove ou qu'on transforme. C'est ça qui confère à l'ensemble une pérennité. Ma motivation? Je suis conchard et j'aime vivre ici. Et je pense que c'est une des plus belles régions.